d'être bon. Vincent, vous avez eu des situations, notamment en première mi-temps, mais toujours ce même problème de ne pas réussir à marquer ? Oui, je suis très déçu, surtout à la mi-temps, de ne pas mener au score. Même pas assez frappé par rapport à toutes les bonnes situations qu'on a eues. Manque d'agressivité offensive. Après, le match, il s'est déroulé comme j'attendais. On a eu les solutions que j'attendais, donc il y a un bon investissement des joueurs. Mais toujours ce problème de finition. Après, aujourd'hui, il y a eu plus d'occasions carrément, plus de situations, donc ça, c'est une bonne chose. Mais à un moment, il faut concrétiser. Mais ça reste un résultat nul, un point pris à l'extérieur, une série, voilà, on ne perd pas. Maintenant, il faut enchaîner. Voilà, on attend cette deuxième victoire. C'est quoi qui manque? C'est de l'agressivité, c'est de tenter sa chance aussi tout simplement, parce qu'il y a assez peu de frappes. Beaucoup ça, être plus lucide dans les choix. Et en deuxième période et en première période aussi, par moment, une qualité de dernière passe ou de patience, pas se mettre en jeu, l'avant-dernière passe, parce qu'il y avait des espaces importants à exploiter. On les a pas mal exploités, mais en tout cas, ça n'a jamais fini. Et c'est ça qui me dérange le plus, mais encore une fois, je suis très déçu surtout d'être rentré à 0-0 à la mi-temps. Vous aviez l'habitude la saison dernière de dire que le compteur point tourne, là il tourne. Mais pas très vite. Pas très vite, mais ça tourne. Alors après, c'est comment on arrive à faire basculer, voilà, le prochain résultat compte toujours beaucoup. Si une série de matchs nuls est tout de suite bonifiée par la première victoire. Donc c'est ce qu'on aura envie de faire contre, mardi contre Nîmes. Le point positif, ça reste quand même ce quatrième match sans encaisser de but. Quoi. Vous êtes oui, en plus on a quand même pas mal de pépins. C'est une bonne chose, heureusement. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à avoir les deux. Les matchs comme ça, avec beaucoup de supporters qui peuvent se déplacer via la distance, ça donne envie d'en rejouer. Déjà, quand les stades sont pleins, plus des supporters qui font des déplacements, un derby. J'ai trouvé un bon esprit aussi des deux équipes, quand même. Pas de grosse agressivité. Donc, c'était loyal et beaucoup très engagé. Mais ça fait plaisir de faire des matchs comme ça. Malheureusement, on n'a pas su encore. Tu as fait des changements rapides, notamment le premier, c'est parce que tu penses déjà à la semaine compliquée qui arrive. Il s'est touché la cuisse tout de suite. D'accord. À mon avis, c'était pas un bon signe non plus. Un pépin de plus, du coup, à devoir gérer. Après, si ça arrêtait très vite, c'est pas forcément inquiétant. Peut-être pour les prochains matchs, mais pas forcément pour une durée plus longue. On verra les examens, mais c'est pour ça qu'il est sorti. Au niveau blessure, vous êtes hélas un peu dans la continuité de la saison dernière. Un petit peu. C'est un souci. Il y a un joueur qui est revenu de blessure. Est-ce que tu as senti son impact au milieu du terrain, notamment dans la création sur ce match-là ? Axel, oui. Évidemment. C'est très bien. C'est un joueur différent qui nous apporte beaucoup. À chaque fois qu'il est sur le terrain, on sent tout de suite beaucoup plus de maîtrise. Donc là, je l'ai sorti même presque par prévention, tellement il a galéré et puis qu'il y a un enchaînement de matchs. Mais je ne sais pas s'il pourra jouer le prochain encore. Mais en tout cas, on voit tout l'apport de ses qualités techniques, de ses qualités de déplacement. De ballon sous pression. Tes latéraux aussi ont plus participé ce soir, notamment. Oui, il y a beaucoup d'espace sur les côtés, ouais. Face à ce système-là, mais en même temps, défensivement, il faut qu'ils viennent fermer beaucoup intérieur, voilà, parce qu'il y a deux attaquants contre deux défenseurs centraux. Donc, ce sont des matchs où ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie et il va falloir réfléchir pour mardi, voilà, s'il y a besoin de fraîcheur ou pas. Est-ce que globalement, dans l'animation offensive, tu as vu du mieux quand même ? Oui, moi j'ai vu les choses que je voulais voir par rapport à l'adversaire aussi, hein, parce que c'est pas toujours les mêmes choses qu'on montre selon les matchs, mais on a eu énormément de situations, quelques occasions, mais énormément de situations qui doivent déboucher sur beaucoup plus de tirs. Et comme on dit, on tire sur le gardien. Hein, c'est un peu l'histoire de ce match. Par le gardien, le vôtre, vous tire à baraque comme il faut en deuxième. Oui, on nous a fait deux arrêts, ouais, avec la tête en pleine tête, je crois, c'est ça. Sur des pertes de preuves, on était en danger, c'est normal, hein. Là, on a un adversaire, mais je pense qu'on a été plus dangereux qu'eux régulièrement. En tout cas, on avait plus de possibilités ce soir. Vite récupérer pour enchaîner, parce que c'est une semaine lourde, chargée. Très lourde. Hein. Le déplacement n'est pas très long, donc ça, c'est une bonne chose. Bien récupérer, faire état des troupes, on va récupérer pas, mais ça va. Et puis après, on va voir pour les blessures. C'est pas trop d'espoir pour récupérer des joueurs supplémentaires. Bon. Merci beaucoup. Merci.
juste, si je peux avoir juste un peu. Merci. Non, mais vous rigolez, mais les marches. Avant d'arriver ici. Ah, bah, c'est, on les fait, hein, au début de match. Ouais, mais vous les avez faites il y a. Et ouais, il y a bien. Là, il y a... Merci. Alors, quel est ton sentiment? Faudra encore attendre pour un premier succès cette saison. Déjà, je voulais stopper cette spirale de matchs perdus à domicile. Parce que je trouve que ça peut arriver une fois, mais deux fois, c'est trop. Donc, en ça, je suis content. Je suis satisfait à nouveau de l'état d'esprit affiché parce que je pense qu'on a fait le match qu'il fallait. Bon, je dirais que Grenoble peut-être a eu plus d'opportunités en première mi-temps et nous en seconde. Donc le match nul en soi n'a pas été, enfin, est pas illogique. On pense toujours à ses opportunités à soi, puis on a tendance à oublier celles des autres. Mais je pense qu'on a vu un match ouvert, un match agréable, avec de l'engagement, bien arbitré. Je suis promis d'avoir discuté avec l'arbitre à la fin du match, monsieur le paysan, de le dire. Parce que quand c'est bien arbitré, ben d'un seul coup, il n'y a pas des cartons jaunes sans arrêt. C'était bien arbitré ce soir, il n'y a rien à dire. Il faut être capable de le dire. Voilà, après, on manque de justesse dans les 30 derniers mètres. Donc il y a des opportunités parfois qu'on devrait avoir, qu'on n'a pas, parce que la passe est un peu trop forte ou pas assez, ou parce qu'on devrait prendre une initiative de frappe, on ne la prend pas. C'est en ça qu'il va falloir progresser, mais j'apprécie aussi le fait de ne pas avoir pris de but aujourd'hui pour la première fois de la saison. Et puis il faudra aller à Dijon et à Metz avec beaucoup de générosité et apprécier aussi le fait de jouer ces équipes-là dans ces stades-là et jouer notre chance à fond pour récupérer le nombre de points qu'on pourra face à des favoris du championnat pour la montée en ligue. C'est vrai que c'était votre premier clean sheet de la saison, c'est important ça aussi de... Pas trop assuré, vous n'avez pas pris beaucoup. Ouais, alors c'est bizarre parce que c'est pas forcément le match où on a concédé moins de situations et ça fait aussi partie du jeu. Je pense qu'on a bien maîtrisé Bamba par rapport à sa vitesse. Je trouve que les trois derrière, ils ont fait un gros match, même si il y a toujours des imperfections. Après, c'est plus dans les situations de transition, je trouve qu'on a manqué de justesse. Et encore une fois, il y a trop de situations qui finalement se terminent par pas grand-chose. Ou avec un peu plus de justesse à la fois technique ou des meilleurs choix, on pourrait être beaucoup plus dangereux. Bon, on l'a été en deuxième période. C'est dommage qu'on n'ait pas concrétisé, mais le gardien de Grenoble a fait les arrêts qu'il fallait aussi, le nôtre aussi. Voilà, c'est un match qui n'était pas fermé, mais un 0-0 avec un point, donc il faudra se contenter, mais qui est porteur d'espoir à nouveau point. C'est le manque d'expérience qui provoque aussi ce manque de justesse dans les 30 derniers mètres? Il y a tout, vous savez, c'est le manque d'expérience, mais je prends toujours cet exemple-là. Vous savez, si les Qataris mettent autant d'argent sur certains joueurs au PSG pour les garder, il y a une raison. Voilà, donc nous, on a des jeunes joueurs qui ont un bel avenir. Il faut qu'ils prennent conscience de l'exigence du niveau aussi dans le domaine athlétique, parce que je pense que sur le domaine athlétique, on a des joueurs qui devant, doivent s'améliorer encore. Il y a le manque d'expérience et puis il faut aussi un manque de confiance, je pense, de temps en temps aussi, parce que quand vous êtes, mine de rien, même si vous savez que ça va être long et que vous êtes à la lutte jusqu'à la fin, bon, bah, de ne pas forcément prendre deux points, à un moment donné, ça peut trotter dans les têtes. Mais voilà, c'est des choses auxquelles je m'attendais. Et on est dans notre championnat, on est dans ce à quoi on pouvait s'attendre. Je suis pas spécialement surpris. Ce que moi j'apprécie, c'est que je vois une équipe aussi progresser, avancer, puis surtout qu'il lâche rien dans l'état d'esprit, et ça c'est primordial. Est-ce que le fait de ne pas avoir débloqué le compteur victoire avant, par rapport au fait de la semaine qui arrive avec le déplacement à Dijon, co-leader, Metz qui descendent de Ligue 1, est-ce que ça peut... C'est inquiétant par rapport à ça, parce qu'on se dit que sur le papier, c'est pas forcément là que ça peut se produire, quoi. Alors sincèrement, c'est ce que j'ai dit aux joueurs dans le vestiaire. Je ne vais pas reprendre le terme que j'ai utilisé, parce que ce n'est pas poli, mais ça fait 30 ans que le club n'a pas joué à ce niveau-là, la saison passée, bon voilà, je ne vais pas dire qu'on en a bavé, mais voilà, c'est beau d'aller jouer à Dijon, c'est beau d'aller jouer à Metz, alors bah oui, il y a des adversaires de qualité, il y a des joueurs de qualité, il y a des équipes qui ont des ambitions, mais franchement,
c'est super d'aller jouer là-bas. Voilà, alors on sait qu'on connaît la qualité de nos adversaires, mais nous, on va rien lâcher, et puis on va jouer notre chance à fond, puis on fera les comptes après ces deux matchs-là. Mais c'est sûr que les bookmakers, aujourd'hui, par rapport aux deux matchs qui se présentent, tout le monde voit Annecy perdre à Dijon et à Metz. Bon, ben voilà, on a deux matchs à faire, on va déjà faire le premier, puis on verra bien ce que ça donnera, puis après on fera le second à Metz le vendredi, et puis on fera le compte après. Puis en fonction de qu'on prenne 6 points ou 0 sur ces deux matchs-là, le championnat ne sera pas fini, il faudra continuer, et on continuera à avancer et à faire progresser l'équipe. Parce que je sens que c'est ça dont tu as dans l'équipe, justement, cette petite victoire qui manque pour peut-être débloquer des choses aussi, vraiment se lancer. Ouais, des clics. Non, je sais pas. Ouais, des clics. Des claques. Hein. C'est quoi le déclic en fait? Voilà, oui, ça fera du bien aux têtes, mais vous savez, quand on gagne un match, on est toujours à se dire attention, pas d'euphorie derrière. Quand on en perd, on dit oui, faut pas tout jeter. Oui, bien sûr, je préférerais avoir plus de points et avoir cette première victoire. Mais encore une fois, le jour où la première victoire va arriver, il faudra aller en chercher quelques autres derrière. Donc voilà, on est dans la lutte à laquelle on pouvait s'attendre. Ça ne m'inquiète pas. Je sais qu'on a du chemin et qu'il ne faut pas traîner. Le plus tôt sera le mieux. Maintenant, dire que parce qu'on va gagner un match, ça va changer beaucoup de choses derrière, c'est un peu trop simpliste à mon avis. Moi je sais plus me dire gagner pour récompenser les joueurs et de ce qu'ils font et du travail qu'ils fournissent et de l'état d'esprit qu'ils affichent. Moi, c'est plus ça qui m'intéresse aujourd'hui que d'un éventuel déclic qui pourrait en changer. M'étonnerait que si quand on va gagner un match, je ne suis pas sûr qu'on en gagne 25 derrière. Hein. J'espère. Non, mais pas ça, mais des fois, ça peut permettre de lancer quelque chose. Voilà. Justement, les têtes, comment ça va? Parce que c'est toujours compliqué, cette situation où ça passe pas, ça pourrait le faire. Moi, je ne vois pas. Je les vois au quotidien, je les vois jouer. Moi, je ne les vois pas douter. Voilà, alors. Oui, on a des opportunités. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que, mis à part peut-être le match de New York, où on a quand même été mené 2-0, quoi qu'on a la balle pour mener 1-0, à chaque fois, on a une autre chance de gagner le match. À chaque fois. La dernière fois, on mène 2-1 à Rodez. À chaque fois, on a notre chance de gagner. Encore ce soir, on a notre chance de gagner. Voilà, donc, tant que vous avez ces opportunités-là de gagner, on va dire, c'est proche. Voilà, alors, ça rassure. C'est pas ça qui va faire que ça va tourner. En tout cas, c'est le bon chemin sur lequel on doit aller. La route est longue, mais on est sur le bon chemin. Un peu frustrant aussi avec un effectif un peu amoindri aussi, un peu manque de fraîcheur. C'est compliqué aussi de faire avec les absents sur ce genre de match où ça aurait pu apporter de nouvelles solutions devant. C'est souvent la loi des séries, c'est-à-dire que quand on a des blessés, on a des blessés souvent au même poste. Voilà, donc. Je regrette évidemment la blessure de Kevin Farage. Je vais pas revenir parce que parler de 8 semaines hier en conférence de presse, c'est pas 8 semaines sur laquelle on est rendu, mais c'est peut-être le double ou le triple. Et si vous revoyez les images, c'est incompréhensible. Mais voilà, il faut faire avec, encore une fois. Ça va donner l'opportunité à des joueurs. J'ai bien aimé la rentrée de Bilmas ce soir. Ça va donner l'opportunité à des joueurs qui ont envie de montrer beaucoup de choses et puis qui peuvent à un moment donné être des bonnes surprises. Et on joue avec un joueur, par exemple. Et que ce soit la Juji, Mwanga ou Gabi Jean derrière ce soir, à E3, je ne sais pas si on est à 15 matchs pro. Hein. Donc quand on voit ce qu'ils sont capables de faire depuis le début de saison, on peut penser que ça va avancer, que ça va progresser. Voilà, faut rester serein et faut rester compétiteur. C'est ça le plus important. Ça ne sert à rien de s'inquiéter. Alors après, oui, c'est normal, on est en train de parler, vous faites votre travail, on parle des points. Mais voilà, on va se préparer pour. Ouais, on va tout faire pour aller gagner à Dijon, puis on fera les comptes après. Et puis si on y arrive, il y aura un gros match encore à préparer derrière. C'est ça aussi qui est intéressant pour nous. Est-ce que justement la blessure de Kevin qui est plus longue que prévu, ça peut changer votre vision des choses sur les derniers jours du mercato, mais qui va être là très bien. Ça change évidemment les choses sur notre vision du mercato, mais pour l'instant, ça ne fait pas rentrer plus d'argent pour. Voilà. Donc aujourd'hui, la marge de manœuvre qu'on a pour faire venir quelqu'un d'autre, elle n'existe pas.
La situation, elle est claire. Donc, à partir du moment où quelqu'un viendrait, ça voudrait dire que notre marge de manœuvre change. Mais ce n'est pas moi qui décide de ça. Je sais qu'il y a des gens qui y travaillent parce qu'ils ont conscience de ce que ça peut représenter. Et puis encore une fois, à partir du moment où c'est possible, eh ben, encore faudra-t-il trouver l'élément qui est intéressé pour venir et qui nous intéresse aussi. Et puis si jamais c'est pas possible, eh ben, on fera avec les joueurs on trouvera des solutions et puis on avancera. Juste pour finir, c'est vrai que tu avais pas mal de capitaines potentiels sur le banc ou suspendus. Comment voilà, ta réflexion a mené à le donner à Vincent, son expérience évidemment, mais c'est vrai qu'il n'est pas là depuis longtemps. Il y a toujours plein d'éléments. C'était donc entre Amel Kachi et Vincent pour ce soir. Ça ne change rien d'ailleurs pour ceux qui étaient sur le banc ou pas dans l'équipe ce soir, qui gardent, on va dire, entre guillemets, une sorte de priorité pour le capitanat. Il y a des raisons à un moment donné qu'on fait un choix. Je ne vais pas les donner parce qu'elles sont, internes. On s'appuie à la fois sur la situation, l'expérience des joueurs et puis aussi des expériences passées. Voilà, j'en dis pas plus. C'est bon ? Merci à tous. Pierrick, ouais. Je suis allé faire signer Pierrick Brice. Ah ouais, c'est un La tête va bien. La tête va bien. Ah, du mec. Je veux pas te parler, Pierrick. Pas grave, j'ai déjà eu hier. Pour lui, on lui fera passer les mots. Quand vous voulez, un peu. Brice, quel est ton regard sur ce match nul? Grenoble n'avance pas beaucoup, mais Grenoble avance en tout cas. Oui, on avance, on prend des points. C'est important, encore un match solide, on ne prend pas de but, hein, c'est le quatrième sur cinq, donc c'est assez important. Après, c'est sûr qu'on aurait pu faire mieux sur certaines situations, on n'arrive pas à marquer, alors que je pense qu'il y a des situations qui sont favorables pour au moins bien finir le jeu, mais bon, ça c'est toujours plus difficile de marquer les buts, donc là-dessus, ça se passe bien, finalement, c'est un nul mérité parce que c'est peut-être eux qui ont les deux plus grosses occasions. Et nous, on a des situations qui auraient pu être mieux gérées, mais on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Donc, non, un nul mérité. C'est difficile à dire de ton poste, mais tactiquement, qu'est-ce qui fait que Grenoble, justement, a des situations, mais n'a pas de réelles situations de but? Il y a très peu de frappes encore, je crois, ce soir, très peu de frappes cadrées. Comment est-ce que toi, tu vois les choses un peu de ton poste reculé? Voilà, on a eu un peu de déchets techniques. Voilà, la dernière passe, l'avant-dernière passe qui n'arrive pas. Tout le monde fait des efforts défensifs, tout le monde se bat pour ne pas prendre de but et même pour aller marquer. C'est dommage qu'il y ait un peu de déchets techniques, mais ça va venir. On a quand même pris 6 points en marquant un but. C'est plutôt une bonne chose. Donc, on continue de prendre des points. Là, si on gagne mardi à domicile, ce sera finalement un bon résultat ici. Est-ce que tu sens un peu d'agacement, de frustration dans le vestiaire ou pas spécialement en ce début de saison? Notamment des attaquants, pardon. Ouais, forcément, les joueurs offensifs sont déçus de ne pas marquer. Hein. C'est normal, c'est des compétiteurs, c'est des mecs qui veulent marquer. Et voilà, ça va venir, j'en doute pas. On a marqué plein de buts sur la préparation. On se crée pas mal de situations, donc ça va venir. C'est, le plus difficile, c'est justement de se créer des situations. Et là, on arrive quand même à en avoir. Toi, tu regardes aussi le fait que c'est le quatrième match sans encaisser de but, et c'est à faire cette saison. Oui, ça fait 4 points, hein, finalement. C'est 4 points. C'est ça, 4 points. Ça fait 3 points, parce qu'on a fait 3 matchs nuls, 3 victoires. Donc
ça fait toujours 3 points. C'est que la saison passée, ça nous est arrivé de perdre des matchs 1-0 sur des coups de bête. Là, mis à part Bastia, où on a fait 2 grosses erreurs et on a pris 3 buts, on est quand même plutôt très solide. Donc il faut que ça continue, il faut prendre des points. C'est un championnat à 4 descentes cette saison, donc tous les points sont importants. Et justement, le classement est extrêmement serré, hein. Il y a très peu d'écart avec les premiers. Il y a aussi très peu d'écart, malheureusement, avec la zone rouge. Est-ce que ça vous met une petite pression qui, petit à petit, s'accentue sur vos épaules? Non, pour l'instant, pas de pression. C'est encore début de championnat. Il va falloir prendre des points, surtout à domicile. Là, on joue dans 2 jours, donc on va pouvoir se remettre dedans rapidement. Mais à un moment donné, peut-être on prendra plus de risques, parce qu'il faut qu'on marque des buts si on veut prendre des points. C'est sûr que gagner un match en perdant, gagner un match sur deux, ça fait toujours plus de points que de nuls. On dit que les joueurs offensifs sont un peu frustrés là, du côté de Grenoble. Toi, par contre, tu te sens plutôt en confiance. On l'a encore senti ce soir, mais même sur les derniers matchs, ça fait du bien aussi de voir que beaucoup de choses réussissent et que ce soit au niveau des réflexes ou des interventions, tout marche bien. Oui, là-dessus, je suis très content. L'état d'esprit du groupe, il est formidable. Tout le monde fait les efforts. Vraiment, les mecs à 85e, ils sont morts, tellement ils ont tellement ils défendu, ils ont mis de l'intensité. Donc non, c'est très bien là-dessus. Personne ne triche. On voit que ce soit Adrien, Alan, Jordi, Alex, voilà, ils sont tous à fond, des défenseurs, même après Fumich qui a fait un match exceptionnel, qui nous a sauvé deux trois fois. Mais non, c'est très bien, tout le monde est concerné. Là aussi, il faut féliciter Alan Tchopchet qui fait son 4e match sans encaisser de but. Donc, c'est l'état d'esprit défensif est vraiment excellent. Donc là-dessus, il faut le garder. Là, en mouillon, pour le coup, là, les supporters n'étaient pas contents en disant que le numéro, mais moi je suis là-dessus, je suis pas d'accord. On fait les efforts et l'intensité. C'est vraiment manqué de précision sur les 30 dernières. Ton premier arrêt est peu académique. Est-ce que c'est un peu de chance ou est-ce que c'est la qualité du placement qui intervient? Ça, c'est des arrêts à la distance où il frappe. On se met en opposition. Après, le ballon, il tape. Donc, on prend dans la tête. Il faut tout de suite, en plus, être aux affûts, être à l'affût pardon, de la suite, en plus, après avoir pris le ballon comme ça dans la tête. Hein. Ouais, c'est sûr que le ballon, après, il traîne dans la surface. Non, mais ça arrive. Il faut se sacrifier pour l'équipe. Hein. Le nez, ça va? Ça va. Toujours aussi beau. Un petit mot, tu disais des supporters mécontents, mais des supporters qui se déplacent en nombre, forcément c'est une grosse plus-value aussi aujourd'hui ces supporters-là, aussi bien le dernier match contre Bordeaux, on imagine que vous l'espérez aussi contre Nîmes, mais ce soir ils ont poussé pendant 90 minutes, forcément vous les entendez, et ça vous donne aussi un petit surplus d'énergie quand il y a des efforts à fournir. Ah oui, je ne sais pas comment ils étaient, mais c'était impressionnant de voir une tribune sur un match de début à l'extérieur aussi pleine, l'impression de voir quand Lens venait jouer chez nous, ou jouer pour vos équipes, mais... Ils ont géré, ils sont très nombreux cette année, ils nous supportent. Donc non, là-dessus c'est clair, je comprends qu'ils soient frustrés parce qu'on peut faire mieux, on aurait aimé gagner. Ouais, c'est la première fois qu'on n'est pas ici. Mais ils continuent de nous soutenir et nous on lâche pas, on donne à fond et on est persuadé qu'avec cet état d'esprit, on fera mieux. Petite. Brice, même si le compteur pointe tourne assez doucement pour l'instant, est-ce que toi en tant que gardien, tu es satisfait de ce 4e match sans avoir cassé? Oui, en parlant en tant que gardien de but, c'est toujours ce qu'on recherche, le clean sheet, hein, et j'espère qu'il y en aura encore plein, mais voilà, on prend un point, mais comme je l'ai dit, ils ont eu les deux plus grosses situations du match, où on a mal joué nos dernières passes, donc finalement c'est un bon point quand même. On te voit aussi faire des relances rapides, chercher des relances un peu précises offensivement, ça c'est une consigne du coach d'apporter toi déjà à ton niveau un peu de rythme au match de temps en temps? Oui, pas mal de vidéos, donc on voit comment l'adversaire joue, on savait qu'il venait chercher pas mal, donc il fallait pas prendre aussi des risques dans la relance, le terrain était pas très bon en fin de temps, il était pas arrosé. Il y en a une sur Bamba, ça typiquement c'est quelque chose que vous avez travaillé par exemple? On a bossé, hein. Voilà, on sait un peu, on connaît les failles, donc on essaie de, pas de surjouer, mais d'amener un plus, c'est les consignes du coach, on essaie de les appliquer. Mais bon, merci. Merci à toi.